Un vaste monde nous entoure, intrigant, complexe et incertain. Confrontant l'homme à ses choix, grâce à son instinct, il a su relever les défis de son temps. Un nouveau monde vous attend. Faites-en partie avec Active Trades. Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique action. Aujourd'hui, je vous propose une analyse technique du titre Iliad dont les résultats ont été dévoilés et qui dénote une baisse mais qui était plus ou moins attendue. Alors Iliad, c'est le deuxième fournisseur français d'accès à Internet haut débit qui détient notamment la marque Free. Donc le titre, d'un point de vue moyen terme, IT avait évolué entre 168 et 239 euros. C'était une zone de stabilisation horizontale. Et puis suite à la rupture ici de cette zone en début d'année 2018, le titre s'est inscrit dans une dynamique baissière qui évolue ici sous cette résistance oblique. D'un point de vue daily, nous sommes toujours donc dans cette dynamique baissière qui a été validée par la rupture ici de ce support des 95 euros. Suite à cela, on est venu marquer ici une phase de stabilisation entre la zone ici des 83.14 et donc cette fameuse zone des 95 euros qui, après avoir été support ici, s'est transformée en résistance. Sur la base des résultats dévoilés récemment, nous avons eu ici un contact qui est revenu chercher ici la zone des 95 euros avant de matérialiser un retour très rapide ici sur la zone de support qui avait déjà été testée à deux reprises. Donc on est plus ici sur un signal de poursuite du mouvement baissier, mais qui devrait casser ici cette zone des 83.14 pour confirmer cette configuration. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes sur une configuration relativement neutre. Sur le RSI, on avait une petite dynamique ici de rebond technique qui s'est neutralisée. Le MACD, quant à lui, qui était lui aussi sur un signal de rebond technique suite au deuxième contact des 83.14, est en train de se réorienter à la baisse. Attention, on est plus ici sur une configuration qui appellerait une rupture ici du support des 83.14. plutôt que pour un rebond ici qui serait validé au-delà des 95 euros. Alors, si nous revenons sur la dynamique court terme, donc nous avons eu cette phase de baisse ici qui a été relativement marquée. On a bien évolué ici sous les moyennes mobiles. On a cassé la précédente zone de support des 95 euros qui a depuis été validée comme zone de résistance. Si on trace les retracements de Fibonacci sur la précédente dynamique baissière dans son intégralité, nous pouvons constater ici que les rebonds techniques suite à l'inscription de ce point bas significatif donc sur la zone des 83.14 est juste venu rechercher ici le retracement à 23,6% de Fibonacci de la précédente dynamique baissière. Donc on est bien ici sur une phase de neutralisation de la dynamique avec ici une oscillation qui se fait entre ce point bas et ce retracement à 23,6% de Fibonacci. Par rapport ici à ces résultats, si on avait eu une rupture ici des 95, on aurait pu venir valider ici un éventuel contact ici sur la zone des 101,56 qui représente le retracement à 38,2%. Ce scénario désormais très probable pourrait être toutefois réactivé sur un rebond technique qui parviendrait à casser ici à la hausse la zone des 95 euros, mais on resterait malgré tout sur une dynamique fortement baissière. A l'inverse, nous sommes plutôt là sur une probabilité de poursuite d'un scénario baissier et par rapport justement à cette phase de rebond technique, nous pouvons définir une extension de Fibonacci qui nous donne un premier objectif en cas de cassure ici de la zone des 83.14 qui se situe à 76,04 euros qui serait donc le prochain objectif en cas de poursuite du mouvement baissier. Dans un cadre plus large, en cas de poursuite du mouvement, l'objectif moyen terme se situe à 59,60 euros. Ce scénario est valable tant que la zone des 95 euros n'est pas cassée à la hausse. Alors, comment, en fonction de cette configuration technique, éventuellement prendre position sur ce titre ? Soit vous avez une opinion haussière et vous pouvez alors considérer que cette configuration nous donne ici une configuration en triple top qui,
en cas de rupture ici des 95 euros pourrait nous donner un bon signal de retournement. Auquel cas, il est possible de tenter ici une prise de position sur la zone de support des 83,14 euros en vue d'un premier objectif intermédiaire ici à 95 qui, en cas de cassure, pourrait nous donner énormément de potentiel de retournement. Naturellement, cette configuration serait totalement invalidée en cas de rupture ici des 83,14. Soit vous avez une opinion plutôt baissière sur ce titre, ce qui est dans la dynamique, et bien dans ce cas-là, une rupture ici des 83,14 pourrait donner lieu en cas de pullback et donc de retour sur cette zone à une possible prise de position à la baisse dont l'objectif moyen terme et bien se situe dans un premier temps sur les 76,04. Donc ça, c'est un objectif court terme qui pourrait faire éventuellement l'objet d'une prise de profit partielle qui pourrait être suivie ici par une poursuite du mouvement vers la zone des 59,60. Voilà, je rappelle que cette analyse technique ne représente en aucun cas une incitation à l'achat ou à la vente du titre analysé et que pour plus de sécurité, cette analyse technique se doit d'être complétée par une étude fondamentale du titre et de la société. Voilà donc pour ce point action, passez de bons trades, on se retrouve très bientôt pour de prochaines analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.